Depuis ce jour où tu m'as sauvé la vie, j'ai toujours pensé te connaître, jusqu'à aujourd'hui. Des lettres de ton père par milliers que tu n'as même pas ouvertes, et il suffit d'un vulgaire gribouillis de ta sœur pour tout changer. J'ignorais même que tu avais une sœur. Nous n'avons plus le moindre sou vaillant, plus de quoi retourner dans l'ancien monde. Sauf si tu te rappelles soudain ce que travailler veut dire. Pêcher à la dynamite. Tu plaisantes. Remarque, le village au nord d'ici manque toujours de nourriture. Tu te rappelles quand nous avons échappé aux fosses? J'ai toujours un peu de dynamite. Voilà! Le tout, c'est de garder ses distances. Tout le poisson qu'ils veulent, et plus encore. Qu'est-ce que c'était, cette détonation? Du poisson grillé à profusion. Tout le poisson qu'ils veulent, et plus encore. J'ai su que c'était vous du premier coup. Venez me montrer de quoi vous êtes capable cette fois. Oh, cette atroce odeur de brûlé. Quoi que ce soit, donnez-le-moi et je vous aiderai à vous en débarrasser. Voilà vos billets. Dépêchez-vous d'embarquer. Le bateau part bientôt. Il vaudrait mieux ne pas le rater. Alors c'est ça. Nous tournons le dos au paradis. Tu n'as jamais vraiment parlé de ta famille. Mais ta décision est prise, n'est-ce pas? Eh bien, soit. J'ai fait le vœu de te protéger. Et je ne suis pas homme à revenir sur ma parole. Même si tu cours au-devant d'effroyables dangers. Je ne t'ai jamais rien demandé. Même pas quand tu as lâchement pris la fuite et abandonné le fardeau familial à ta petite sœur. Même les années suivantes... Notre père est accusé de haute trahison. Te rends-tu compte de cela? Tu vas rester à ne rien faire alors que notre père croupit en geôle? Dans quel état il doit être? Je t'en prie, reviens à la maison. Nous avons besoin de toi. C'est vraiment toi, mon cher frère. Je n'aurais jamais cru que tu reviendrais un jour. Tu te rappelles de Bright Sands? Bien sûr que oui. On adorait tellement cet endroit. Notre oncle Edward a les faveurs du Conseil Royal. Alors que le corps de notre père est encore chaud, il a déjà commencé à saper son œuvre. Toutes ces maisons. Tu m'avais caché que tu possédais de telles richesses. À quoi bon vendre du poisson et dormir dans des granges? Tu n'as jamais parlé à ton ami de Good & Sons? Il y a beaucoup à en dire, mais plus tard. Les funérailles de notre tendre père ont commencé. Où étais-tu? Sans toi, on ne verra jamais le bout de ces formalités. La mort n'a pas choisi le bon frère.
Nous ne sommes que quelques-uns, mais qu'importe. C'est nous qui l'aimait le plus. Les traîtres n'inspirent guère de compassion, et encore moins leurs rejetons. Tu ferais mieux de faire profil bas. Un conseil judicieux, du moins pour l'instant. Avec ce qu'il me restait de fortune, j'ai acheté une petite île et payé le sauf-conduit des derniers partisans de notre père. À nous deux, nous laverons son honneur. Ta sœur et toi, vous êtes de la même trempe. Autant dire qu'une nouvelle aventure nous attend, camarade. On y est. Ditchwater. Le bout du monde. J'espère que vous aimez le silence. Encore là ? Tu as vraiment créé une compagnie rivale ? Sur cette île miteuse ? Laissons donc l'oncle Edvard se gausser. C'est peut-être une île modeste, mais si tu tiens de notre père, tu passeras outre les apparences. Nous devons abriter les personnes loyales qui se sont montrées solidaires de notre famille. Il nous faudra autant de paires de bras que possible pour déblayer ces débris. Vous avez franchi une nouvelle étape. Est-ce la rancune qui te motive ? Ou bien ta seule puérilité ? Toi qui tiens tellement à paraître responsable, tu auras le plaisir d'apprendre que le coût exorbitant de ces funérailles te revient. Ce misérable, cet avare, ce... Il choisit de quoi il va hériter. Regarde le ramassis d'inepties qu'Edvard fait imprimer à Bright Sands. Samuel est votre père ? Oh, le ciel soit loué ! J'ai tellement honte de toutes les horreurs que votre oncle m'a fait publier.
Il détourne le moindre article en sa faveur et aux dépens de notre père. Partie sauvegardée. Ah, lui, je vois de qui tu parles maintenant. Hein. La charrue en métal a changé beaucoup de choses, c'est sûr, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Si seulement notre père était là, il saurait quoi faire. Notre père n'aurait pas voulu te voir te tourner les pouces pendant que notre seule perspective d'avenir est en si triste état. Réunissons nos villages. Le deuil est plus facile maintenant que nous avons de la compagnie, mon frère. Nous voilà tous au terme d'une rude journée de travail. Il est temps de nourrir et de loger tout ce monde. Elle bouge.
Nous allons manquer de bois, mais il y en a à profusion dans les ruines. Nous devrions en déblayer pour faire le plein. Partie sauvegardée. Vous avez franchi une nouvelle étape. Aide à déblayer les plus grandes ruines. Insufflons un peu de vie à cet endroit. Il t'a fallu du bois pour tout ce que tu as construit jusqu'ici. Il en faudra encore plus pour continuer. Votre ville s'est enlaidie. La journée a été pénible. Ces gens ont besoin de repos. Et peut-être de se rincer le gosier. Le bois, c'est fait. Je vais tâcher de ne pas penser au cercueil. Les promesses honorées sont rares. Merci.
Partie sauvegardée. Vous, les gens de la ville et vos idées farfelues. Quand je regarde le visage de ton peuple, je n'y vois que le malheur. Fais en sorte que leurs misérables conditions ne deviennent pas un problème.
Partie sauvegardée. Ça ira plus vite à la main. Thank you.
Partie sauvegardée. Vois comme le monde entier s'incline devant nous. Le temps a passé depuis les funérailles. Quant aux frais, c'était de l'extorsion. Rembourse-moi tout de suite ou vends ton affaire. J'en ai le ventre tout retourné. Comment Edvard peut-il oser nous en demander autant juste après la mort de notre père ? On n'a pas assez de monde. Nos fidèles ont récupéré et veulent aller de l'avant. Organise-les. Il nous faut dégager un maximum d'espace. On est aux petits soins. Tu devrais parler à notre humble cousin. D'après lui, des ouvriers se seraient soulevés à Bright Sands. Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à mépriser Edvard. On n'a pas trouvé. Vas-tu enfin te décider à m'exprimer ta gratitude ? Si tu crois en avoir terminé. L'odeur de l'anoline m'insupporte, mais si les tenues d'agriculteur sont tout ce que vous avez... Combien de temps notre oncle va nous imposer ses exigences cyniques ?
Partie sauvegardée.